What's up tout le monde, c'est Chris, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News à propos du jeu GTA 6, en parlant aussi un peu de GTA 5 par là, puisque en fait c'est une question qui a été beaucoup posée, du style par exemple, Christo, est-ce qu'il y aura des marques dans le nouveau GTA? On sait d'ailleurs que le jeu GTA 6 va sortir en fin d'année 2016 ou en début d'année 2017, ça a été officialisé bien sûr tout ça par Rockstar. Alors on va un peu en parler au niveau des marques, ça peut être un débat un peu sans fin, puisqu'à la fois on peut dire oui, à la fois non, mais de ma part c'est un grand non, il y aura pas de marque et on va un peu en discuter pourquoi il n'y aura pas de grande marque par exemple dans le futur GTA, sachant qu'on va aussi un peu parler de GTA 5, faire une petite comparaison pour vous prouver comme quoi on retrouve toujours pas des grandes marques dans ces jeux là. Alors attention, on va parler spécialement au niveau des véhicules, mais ça peut être au niveau des téléphones. Je sais par exemple on a la poire qui ressemble en fait à la pomme, enfin de chez Apple bien sûr, mais ils reprennent jamais le même logo, parce qu'après c'est copyright, mais enfin si vous voulez pas vraiment en fait, il va falloir payer en fait l'entreprise pour tout simplement pour qu'ils mettent en fait le logo. Alors déjà j'ai fait des petites recherches tout ça, et puis on va pouvoir un peu en discuter bien sûr aussi dans la barre des commentaires, etc. Alors déjà pourquoi, première réponse qui a été trouvée déjà, c'est que ça coûte cher pour les développeurs de jeux vidéo, principalement si on parle pas de Rockstar. On va dire que les développeurs ne se font pas autant d'argent et sont pas si riches que ça. Ils peuvent pas à chaque fois mettre par exemple le logo Ferrari, payer une licence en fait finalement. Et puis voilà, arriver à mettre la marque Mercedes, payer Mercedes pour mettre le logo. Finalement, c'est ridicule, parce que si vous voulez, Rockstar, ils vont mettre une somme d'argent, mais vraiment titanesque, pour finalement pas grand chose. Juste mettre un logo, on peut s'en passer. On préfère qu'ils mettent, par exemple, plusieurs millions d'euros, parce que ça sera ça, hein, obligé, une 50 millions d'euros dans un meilleur développement de jeux vidéo que finalement dans un petit logo qu'on retrouve sur la voiture ou sur chaque véhicule, ou qu'on retrouve par exemple, ouais, super, j'ai l'iPhone, tout ça. C'est vrai que ça sera un jeu plus réaliste, on retrouve bien sûr les marques, mais quelque part ça coûtera très cher aux développeurs. Et finalement, bon, moi honnêtement, après ça reste mon avis personnel, je préfère qu'ils mettent cet argent là dans un meilleur développement au niveau du jeu que finalement de le mettre dans un petit truc carré, rectangulaire, pour finalement représenter une marque. Je trouve ça un peu dommage. Déjà ça se fait pas, parce que ça se fait pas en ce moment derrière pour GTA 5 aussi, tout simplement parce que ça coûte très cher, hein. Maintenant tout tourne autour bien sûr du business, de l'argent, forcément ici ça coûte très cher, ça se fait pas. Et puis en même temps, ils préfèrent peut-être mettre un petit peu plus d'argent dans le développement du jeu vidéo que forcément dans l'utilisation de mettre tout simplement un petit logo sur chaque véhicule, ou par exemple sur les téléphones ou autre. Je vais vous montrer sur l'image aussi un screen assez important. En fait par exemple ça reprend, j'ai pris un screen là tout à l'heure en jouant avec une sorte de Audi, à laquelle en fait on peut remarquer qu'il y a une petite différence. Par exemple, c'est sûr il y en a qui vont dire oui, mais dans GTA 5 par exemple il y a certains logos qui sont des vrais logos. Non, si on regarde par exemple le logo de cette fameuse entre guillemets Audi, eh bien c'est pas véritable la même en fait, parce que si vous regardez bien normalement déjà le logo Audi, je vais vous montrer aussi le petit logo pour un petit comparatif, hein, ridicule, c'est quatre cercles en fait d'ailleurs qui se croisent, alors que ici on retrouve donc quatre cercles, enfin c'est pas des cercles, c'est plus des V qui sont tout simplement collés entre elles. Donc quand on regarde de loin, c'est vrai que ça fait une petite ressemblance au logo Audi, mais attention, c'est pas le même. Si on se rapproche bien du véhicule, et vous pouvez le faire depuis votre console, depuis votre jeu en fait GTA 5, et c'est pas du tout la même chose. C'est vrai qu'au début, lorsqu'on a vu des screens avec ces logos là, on s'est dit ah mais il va y avoir des marques dans GTA 5. Et bien non. Alors à mon avis, ça sera quasiment sûr que dans GTA 6 il n'y aura pas de marque, parce que déjà ça coûte très cher. Et puis la deuxième grosse réponse à laquelle, et bien c'est que ça va créer des problèmes de marketing. Je vous en avais déjà parlé. Ça remonte à un an, donc je vais vous le redire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des véhicules entre guillemets cheatés, des véhicules boostés. Par exemple, je sais pas, on va se donner un exemple. Rockstar, ils créent leur jeu, tout ça, GTA 6, avec des véhicules. Par contre, attention, les véhicules seront beaucoup plus réalistes, comme un peu ce DLC là qu'on a pu voir sur GTA 5, le 1.11, avec deux véhicules, franchement, à laquelle j'ai vraiment fantasmé là-dessus. J'ai vu le design, l'ergonomie des véhicules, c'était vraiment un travail de ouf, et puis moi, ça me donne vraiment envie d'y jouer. Normalement, les véhicules, ce genre de type de véhicules, on va essentiellement les retrouver dans GTA 6. Ça sera vraiment un grand pas qu'on va retrouver là-dedans.
comme j'ai dit, donc il y aura un problème de marketing. Par exemple, on dit que Rockstar sont en train de modéliser un véhicule BMW ainsi qu'un véhicule, de Audi. Et tout d'un coup, on a la grande entreprise, la marque BMW, ils disent à Rockstar, oui, on est d'accord pour que vous allez mettre en fait finalement notre dernière BMW, mais attention Rockstar, nous ne sommes que d'accord et nous pouvons vous le faire gratuitement que si vous finalement vous, on va dire que voilà, vous boostez un peu plus notre véhicule. Pourquoi ils vont demander ça, par exemple, la grosse entreprise? Eh bien, tout simplement pour, en fait, faire une sorte de marketing. Voilà, ils veulent vendre, de toute façon, leur véhicule. Ils vont pas laisser autoriser que, par exemple, l'Audi dépasse sa BMW. Vous savez, ça peut faire un peu gamin, quelque part. Mais ces grosses entreprises, ils sont là pour le fric. Ils veulent se faire de l'argent. Même si c'est à travers un jeu vidéo, ils vont vouloir le faire. Et peut-être que certaines grosses entreprises vont dire, non, désolé, nous, on veut pas mettre notre véhicule tant que si... Enfin, que si vous les cheatez, nous on les mettra que si vous, voilà, vous les boostez finalement. Sinon, nous ne sommes pas d'accord. Ça peut créer vraiment un gros problème là derrière. Et là, en fait, finalement, on regarde pas la première face, on regarde finalement la face cachée du marketing. Puisque quelque part, eh bien, oui, certes, ça va coûter cher à Rockstar, bah, pour payer ce genre de marque. Mais attention, si on regarde la face cachée, eh bien, c'est quelque part, ces grosses marques ne veulent pas aussi mettre leur véhicule dedans, parce que, soi-disant, oui, cette Audi va être plus performante que notre BMW, que notre dernière BMW, excusez-moi. Donc, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord que vous la mettez, on peut vous la faire gratuitement, c'est-à-dire, on vous met la marque gratuitement dans le jeu. Par contre, nous voulons que ce véhicule-là soit beaucoup plus performant que tous les autres véhicules. Et là, Rockstar, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas un jeu réaliste, là. On se retrouve dans un jeu de marketing. On se retrouve dans un jeu, c'est du n'importe nawak. C'est du n'importe quoi dessus. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'on peut vraiment, faut penser là derrière. Ça peut être pareil, par exemple, pour les téléphones. S'ils créent plusieurs types de téléphones, faut vraiment penser là derrière. Après, ce que je vous ai fait, c'est une sorte de petite analyse de à peu près de ce qui peut se passer. C'est pas sûr, mais ce sont des choses. C'est le marketing, ça marche comme ça. Donc après, à vous de voir. Mais à mon avis, il y aura même dans les jeux vidéo, enfin en tout cas de chez Rockstar, parce que Rockstar, ils ne veulent pas que leur jeu soit finalement, ils soient un peu abusés, qu'ils soient profités par des grosses entreprises qui ont beaucoup d'argent. Ça, Rockstar, ils ne le permettront pas. Ce qui est franchement plutôt cool, parce que quelque part, Rockstar a une grande notoriété. C'est vraiment une grosse entreprise à laquelle beaucoup de gens font confiance, comme ces fameuses mises à jour, ces fameux DLC qui sont gratuits sur GTA V. Ça fait extrêmement plaisir de voir des DLC enfin gratuits comparé à des gros jeux, des grosses séries juste à côté qui se mettent 10, 15, 20 euros dans les poches. C'est un choix, mais pour moi, c'est un très bon choix. Donc après, dites-moi ce que vous en pensez, tout ça dans la barre des commentaires. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. Surtout, venez me suivre sur ma page YouTube personnelle. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Peace.